C'est le début du week-end et nous sommes très heureux de le passer en votre compagnie. Chers abonnés de Pépé Soupe, bonsoir et bienvenue dans Pépé News. Intéressons-nous au secteur de l'odontologie, un domaine dédié à la science médico-chirurgicale couvrant l'étude de l'organe dentaire. Diabagaté Moussa, qui est le président des prothésistes dentaires nationaux et privés de Côte d'Ivoire, fait l'objet de notre interview. Kounfao, localité située dans la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Voici le père Diabagaté Moussa, prothésiste dentaire et président national des prothésistes dentaires privés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à notre micro, nous allons lui arracher quelques mots. Écoutons. C'est les dents endommagées, c'est les dents qui sont enlevées, que nous les remplaçons par les dents en porcelaine. Voilà un peu succinctement comment nous présentons les prothèses dentaires dont je tiens dans la main. C'est un corps de métier noble qui nourrit son homme, qui fait de nous ce que nous sommes. Les tarifs normalement ne sont pas stables parce que ça dépend, mais minimum, le tertage de minimum c'est 15 000 francs. Et encore les dents, encore des fois, nous allons de 30 à 25 000 francs. Donc voilà un peu comment nous faisons. Bon, vous-même vous avez vu, hein, c'est ça qui est là. Et puis c'est ça qui est ça aussi. Donc vous qui avez dents pourries, qui avez les taches sur les dents, qui avez ceci, cela sur vos dents là, vous pouvez vous rendre à son cabinet ou lui faire appel pour qu'il arrange ça. C'était tout. Traoré Safi est gérante d'une salle de gymnastique à Tengrela. L'établissement sportif bénéficie de deux coachs à la disposition des clients à partir de 18h, car ils exercent en tant que professeurs au lycée de la ville. Notons que la séance est à 1000 francs, mais il y a la possibilité de faire un abonnement à 10 000 francs CFA. Tengrela, région des savanes. C'est une fois à Persédé, jusqu'à une salle de gym. Voici Traoré Safi, gérant de la salle, à qui nous allons arracher quelques mots. Suivez. Nous sommes là du lundi au dimanche, à partir de 16h30, de 16h30 à 22h. Concernant ce qui se passe dans la salle, on fait la séance à 1000 francs. Maintenant, si vous voulez vous abonner, ça c'est 10 000 pour le mois. Vous avez droit à 15 séances. Si les 15 séances finissent, avant que le mois finisse, vous vous réabonnez encore pour continuer le mois. Bon, on a deux coachs qui s'occupent des gens. Eux, ils viennent à partir de 18h, comme ce sont les profs au lycée. Bon, environ au moins 5 mois comme ça. Ça marche? Bon, on ne se plaint pas. Souvent, c'est la salle. Souvent, il y a les gens. Souvent, il n'y a pas les gens. En tout cas, on ne se plaint pas. Bon, vous-même, vous avez vu, c'est ça qui est là. En tout cas, laissez-nous faire là. Allez-y dégraisser votre ventre un peu dans la salle de gym là. C'est pour vous qu'ils ont ouvert. Merci. C'est dans la région du Béret, à Mankono, que nous déposons nos valises. Sur le terrain de sport de Tonoulé, nous avons fait la rencontre de Ouattara Abdoulaye en pleine supervision d'un match. En tant que stagiaire, Abdoulaye nous explique que ce poste incombe plus ou moins certaines responsabilités qu'il énumère à travers ce reportage. Nous sommes au cours d'un match de l'OASU au terrain Tonoulé de Mankono. Et voici le père camarade Abdoulaye, stagiaire à la direction des sports. Au micro de Pépé Soupe, il va nous dire c'est quoi son rôle en tant que stagiaire. Je suis monsieur le responsable ici de l'équipe des matchs de l'OASU sur le terrain de Tonoulé. L'équipe, bon, il y a des matchs qui sont passés déjà. Hein. Donc, actuellement, c'est le lycée qui est en train de jouer. Le lycée contre Iblou Fofana. Contre l'équipe de Iblou Fofana en gym. On salue, on salue. Voilà. On va sur le terrain pour voir, pour intervenir souvent dans les écoles. On fait le coup DPS, on fait du fitness avec la population. On fait un peu randonnée, pédestre. Voilà, souvent aussi, on court avec les corps habillés, on fait des footings avec les corps habillés, puis on vient faire des étirements. Ce match, il est tendu parce que il y a eu des rencontres, donc on dirait que le vainqueur ici va déterminer. Bon, le vainqueur ici sera passé directement pour la finale qu'ils vont jouer avec. Voilà, oh, c'est ça qui est là et puis c'est ça qui est ça aussi. En tout cas, le père, il faut bien superviser. Par exemple, on dit les arbitres qui sont là-bas, là, ils ne sont pas trop en retard.
Donc si c'est bizarre là, faut prendre le sifflet, puis toi-même tu vas faire l'arbitrage. Avant de se quitter, je vous rappelle que Pépé Jobs, votre application spécialisée dans les emplois domestiques, est toujours disponible. Alors, si vous êtes en quête d'un gombo ou d'un prestataire, n'hésitez pas à vous inscrire en téléchargeant l'application disponible sur Play Store ou App Store. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.